Seule la vérité vous rendra libre. Only the truth will set you free. Est-ce que c'est compris? Only the truth will set you free. Seule la vérité vous rendra libre. Je continue avec mes commentaires à propos du Popol versus Ado. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. En passant, il y a un maudit là qui m'a dit, « Hey! Hey! Ça, c'est un Amazonien. Va dire ton truc là, Bamenda. Même Bamenda est plus joli que Abidjan. Non. Vous voyez comment vous êtes, vous partagez le Cameroun. Donc, les anglophones n'ont même pas le droit de parler. Si un anglophone veut parler, il faut qu'il parle Bamenda. Ce n'est pas la première fois que le maudit là m'écrit ça. Ce n'est pas la première fois. Il y avait une autre femme là, je ne sais pas si c'est une femme ou bien c'est un homme. Elle est en France. Elle, je veux afficher ta photo. Elle est venue m'écrire. J'ai fait une vidéo là. Le temps que celui-là était sorti pour insulter les Bamenda, les anglophones, Sébastien Ebala, ou bien Sébastien Ebala, était sorti pour insulter les anglophones, que les anglophones sont, les anglophones sont montés, les anglophones sont descendus. J'ai répondu, Sébastien Ebala, qu'à un moment, qu'il venait de sortir dans une séquestration. Nous, on l'a torturé, on a fait ceci, cela avec lui. Peut-être qu'il est traumatisé. Normalement, il nous faut une thérapie. Ne le prenez pas au sérieux. Bien sûr que certains étaient contents, mais il y a une femme là, elle est venue seulement, elle m'a insulté. Que va raconter ton truc là, ni John Fundi. Ni John Fundi est mort. Donc, sûrement, tu vas le suivre. Hein? Tu vas le suivre, tu vas m'apporter une John Fundi là pour que je le raconte. Tu vas le suivre. Toi, la femme là, je pense bien que tu es en France. J'ai oublié ton nom. Mais tu ressemblais, je ne sais pas si tu es un transsexuel, tu étais homme, femme ou bizarre, un genre là. J'ai seulement pris ta photo sur ton commentaire et déposé que c'est une femme ou bien c'est un homme ici. Si je venais enlever ton commentaire, tu as fui. Ouais, comment vous êtes mauvais, vous insultez les gens pour rien. Que va raconter ton truc là, né John Fundi. John Fundi est mort, tu vas le suivre. Bon, je continue à lire les commentaires. J'étais où? Ah, voilà celui-là. Toi, tu es amazonien. Limitez-vous à Bamenda. Même Bamenda est plus joli que Abidjan. Celui-ci, ça doit être un malade mental. C'est ta mère qui est plus jolie que ta grand-mère. Imbécile. Toi, tu fais honte. N'a pas de problème. Oui, je fais honte. Toi, tu fais plus honte. Pas bien. Si je fais honte, pas bien. Lui, il fait alors quoi? Et si moi, je fais honte. Celui qui est là au pouvoir depuis 40, quelque chose d'année, qui n'a rien foutu dans sa vie. Lui, il fait alors quoi? Si moi, je fais honte, moi qui dénonce tout juste. Moi qui pense à la souffrance de mes frères et mes soeurs camerounais. Moi qui pense à ceux qui meurent chaque jour. Au désert, dans la mer, sur les mauvaises routes. Pour empoisonnement, en passant même. Ceux qui disent, oh, moi je ne suis pas moi dans la politique, oh, moi je ne dénonce pas. Oh, oh. Je vais aller au Cameroun quand même passer mes vacances. Depuis, ceux qui dénoncent là, ceux qui dénoncent là, c'est que tous ceux que nous voyons, ils dénoncent là. N'est-ce pas, ils sont toujours en vie. La plupart de ces gens qui disaient que, oh, je ne me prononce pas, oh, je ne fais pas la politique, oh, je ne dénonce rien, oh, je m'en fous de la souffrance des autres, oh, moi, je vis déjà bien, oh, moi, je vais là au Cameroun passer mes vacances, carrément, c'est cela. La plupart de ces gens sont morts par empoisonnement ou bien sur les mauvaises routes. Et toutes ces choses. Imaginez aussi dénoncer. Si dénoncer, il devait encore être en vie. Parce que quand tu dénonces, quand tu te bats,
pour le bonheur des autres, Dieu te protège d'abord. Dieu te protège. Le négo qui ne veut pas se battre là pour la libération de l'Afrique. Ils sont là pendant que le Niger, je ne sais pas, ils sont là en train de parler. Ah, restez à vos trucs là-bas. Le Niger, ce n'est pas l'Afrique centrale. Laissez nos pères tranquilles. Vous allez tous partir. Je ne souhaite pas la mort à quelqu'un, mais ça va vous arriver. Parce que vous êtes mauvaise. Et les mauvaises graines doivent disparaître. Dieu va effacer toutes les mauvaises graines. L'homme noir a assez souffert. Les Africains ont assez souffert. Il faut que Dieu efface toutes les mauvaises graines. Pour que les Africains puissent pousser tranquillement. Bon. Bon. Virus. Celle-ci, elle est virus. Elle est un homme virus. Voilà, un vrai virus de l'Afrique. Il faut éliminer ça avant que ça se reproduise. Il faut éliminer ça avant que ça se reproduise. Bon, on l'a même répondu. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Virus. Madame Virus. Tête PC Virus. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle m'a insulté tête PC. Elle dit, il faut aller à l'école tête PC. Hey, Virus m'a insulté. Il fallait aller à l'école tête PC. Juste parce que j'ai dit, les Ivoiriens dépassent les Camerounais. Elle est frustrée. Donc, elle vient me temps verser sa frustration sur moi. Il faut aller à l'école, tête PC. Vous, vous êtes allé à l'école, hein? Vous avez fait quoi avec vos études? Vous arrivez à réaliser quoi? À fabriquer quoi? À construire quoi? Vous ne comprenez même pas comment le monde fonctionne. Vous ne comprenez même pas comment vos dirigeants fonctionnent. Vous ne comprenez même pas comment les ressources de vos pays, ce qu'on fait, vous ne comprenez rien, mais vous avez fait de longues études, vous avez fait de grandes études. Ça vous a servi à quoi que vous insultez les autres? Que vous insultez les autres? Voilà la réponse que Cisco de Kaisov, mec, ça c'est quel genre de nom ça a donné. Pourquoi croyez-vous que vous êtes plus instruit que le reste du monde? Bonne question. À cette petite pute de bordel là. Ce virus malade mental, c'est toi qui es tête percée, espèce de chiot. Tu fais honte à tes enfants. J'espère que tu as les enfants. Tu fais honte à tes enfants. Bah, les sorciers comme ça, ils n'ont jamais des enfants même. Celle-ci, elle a Kevin. Femme là, c'est toi la honte. On a insulté, ferme-la, c'est toi la honte. Moi, je fais honte à qui? Moi, je dénonce. Je vis ma vie tranquillement et je dénonce la souffrance des autres. Je fais alors honte comment? Jusqu'on me demande de la fermer. Parce qu'il ne veut pas que les gens souffrent. Je vais éveiller les gens. On me demande de la fermer. Parce que j'ai indexé les Camerounais. J'ai fait ça pour des raisons précises. Pour que les Camerounais se lèvent. Qui commence à se poser des questions, mais c'est comment avec toutes ces choses? C'est comment avec toutes ces choses? Comment avec toutes ces choses? Comment la France arrive à nous manipuler jusqu'à aujourd'hui? Ils ont dit qu'il n'y a plus de colonisation, mais nous sommes toujours colonisés. Hey, celle-ci, elle a eu 25 réponses. 25 replies. Qu'est-ce qu'elle m'a vraiment écrit? 237 Tinos. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Ça doit être un faux profil, il n'a même pas de photo. Toi, tu sors d'où? Tu es la honte du Cameroun. Tu es une Amazonienne. Pardon, il faut quitter ici. Hey, non! Vraiment, votre éducation là, c'est pas d'où vous avez pris ça. Je suis amazonienne. Pardon, il faut quitter ici. Tu sors d'où? Tu fais la honte du Cameroun. Premièrement, tu t'es contredit même dans ce que toi-même tu écris. Tu me demandes déjà que je sors où? Tu sors d'où?
Il doit sortir où?